Hanouna le matin sur Virgin Radio. Eh hey, les mecs, on s'est dit depuis tout à l'heure qu'on avait envie de fourrasser Benjamin Castaldi. Alors sur le Facebook de l'émission, vous n'arrêtez pas, hein, fourrassez Castaldmas. Eh ben on va essayer de l'appeler Castaldi. Il y a Claire pour jouer avec nous. Salut Claire. Salut Cyril, salut toute l'équipe. Merci d'être avec nous Claire. On va essayer de fourrasser Benjamin Castaldi. T'as 28 ans, t'habites Strasbourg et t'as créé une société. Oui, voilà, j'ai créé ma petite société. En fait, le truc très en vogue en ce moment, je fais des réunions à domicile, les réunions Sex Toys. Non ! Oh ! Ah ouais ! Et alors, t'as reçu quoi, là ? J'ai reçu quoi ? Ouais, on stocke. L'œuvre modèle. L'œuvre vibrant, tu l'as ou pas ? C'est quoi le tube ? Oui, l'œuvre vibrant avec fil, sans fil. Voilà. Il y a vraiment plein de choses aujourd'hui, ça marche super bien. C'est quoi le tube ? C'est quoi le tube ? Le tube, l'œuvre vibrant marche très bien, effectivement. D'accord. Sinon, on le disait, c'est vrai. Aujourd'hui, tout ce qui est rabbit, ça marche très très bien. Les de quoi? Rabbit, lapin. Ah, je croyais radis. J'ai rien compris, moi. Vous avez des radis vibrants? Bien sûr, vous mettez deux radis ça, et une livre de tomates, s'il vous plaît. C'est pour les végétariens, ça. Parce que, écoutez, je fais l'amour, mais je suis végétarien. La dernière fois que j'ai fait chaud quelqu'un, c'était une laitue. Allez, on y va. Claire, on va appeler Benjamin Castaldi. Déjà, il faut qu'il réponde. On appelle Benjamin Castaldi car c'est la finale de Secret Story ce soir. Hein, c'est pour ça. Et il faut qu'il réponde à l'énigme aussi. Donc, il faut qu'il réponde au téléphone et qu'il réponde à l'énigme pour que tu repartes avec ton cadeau, le pack Virgin Radio. On y va, on appelle tout de suite. Allez. Ah, ma Claire. Allez, Didier, fais le char. Allez, non, mais j'adorerais qu'il réponde. Rien que là, ça c'est Benjamin. Ça sonne. Qu'est-ce que j'aimerais qu'il réponde? Ça serait exceptionnel. Hello. Ah, ça c'est Benjamin, ça. Benjamin. Allô. Bonjour Benjamin, c'est Didier Filochard. Vous êtes en direct sur Fourras FM. Comment ça va, Benjamin? Très drôle. Benjamin, on vous dérange, vous êtes en direct. On voulait vous avoir pour la finale de Secret Story. Et il y a le père Fourras qui est là pour vous poser une énigme. Vous me connaissez, Didier Filochard, l'animateur? Non. Sur Fourras FM, à la télé, NT30, plus plein du mur. Ouais, allez-y, finissez votre blague, allez-y. Benjamin, le bon vieux canular téléphonique. Benjamin, allez-y. Est-ce que je peux vous passer le père Fourras pour une énigme? Allez-y, si ça vous amuse, allez-y. Allez, on y va, on passe tout de suite le père Fourras à Benjamin Castaldi qui est avec nous ce matin. Oh, bonjour, Benji. On n'a pas les enfants, le père Fourras, hein. Oh oui, j'ai des rhumatismes et j'ai un panari. Ah bah, là, c'est pas des rhumatismes que t'as, mon vieux, c'est que t'es pas loin de la tombe. Hein. Voici l'énigme. Il faut que tu consultes un pentagone, ça va pas du tout, là. J'ai pris des pastilles. Ah bah là, et franchement, c'est une cigo qui tourne. Hein. Voici l'énigme, Benjamin. Oui. D'ordinaire, dans l'eau, je peux me trouver en avril dans votre dos. Si les enfants aiment me manger, c'est parce que je suis pas né. Si en février je suis né, dans l'horoscope, je suis le dernier. Qui suis-je? Le poisson, bien sûr. Le poisson, poisson d'avril, poisson pané, le poisson de l'horoscope. Attention, cadeau pour Benjamin et Laura tête de tigre. Oh, il a gagné un beau cadeau, Benji. Benji, oui. Vous avez gagné un four à macro-ondes pour faire des macros. Faire des macros. Benjamin. Oui. C'est Cyril Hanouna, t'es sur Virgin Radio. Comment ça va, mon bébé? Hey, tu sais quoi? J'ai dit, c'est la finale de Secret Story. On va essayer d'appeler Benjamin. J'avais 1% de chance de t'avoir. Je me suis dit, c'est pas possible. Je vais le réveiller. Il va pas répondre. Mais non, tu sais quoi? Non seulement tu me réveilles pas, mais au moment où t'as appelé, j'allais sortir mon petit chien pour te faire pipi. Et qu'est-ce qu'il a fait pendant que l'autre abruti du perforant faisait des bikes? Il a pissé sur mon canapé. Alors, écoute-moi bien, tu sais que t'es mon ami, tout ça, le nettoyage, tout ça, c'est pour moi, mon bébé. C'est pour toi. Mais non, heureusement, si tu prends des canapés en téflon, ça ne tâche pas. Eh, ce soir, bon, c'est la finale de Secret, hein. Eh, on va regarder tout Secret Story ce soir, hein, pour la finale. Bah écoute, tu penses que c'est qui va gagner, toi?
Je pense que ça va se jouer entre Marie, Géco et Aurélie. D'accord. D'accord, merci. Mais Aurélie, cette année en fin de saison, elle compte double quand même. Ouais, j'ai vu ça. Mais tu sais que ça peut être ma cam, Aurélie, moi. Hein. Ah bon? Ouais, bah tu connais un petit peu mon dossier. Faut faire attention parce que c'est dangereux. Bon, Benjamin, on t'embrasse très très fort. Vraiment, t'as un amour. C'est sympa d'avoir appelé. Et ben voilà, on t'embrasse fort et tu viens nous voir quand tu veux le matin. Même Je suis réveillé globalement. Mais t'es énorme, on t'embrasse fort. Et ce soir sur TF1, Secret Story, c'est à quelle heure? 22h40 à peu près. Hein, 22h25 pour être précis. Ouais, je peux arriver à 40 moi? Ah ouais, j'arrive à 40, c'est pas de problème. D'accord, tu dis à TF1 que je serai un petit peu en retard. Tu me mettras un mot. Je t'embrasse. Allez, bon, salut Benjamin, pour qui tu vas que le matin? Bah, pour Cyril Hanouna, bien sûr. Merci, je vous embrasse, Benjamin. Hanouna le matin, sur Virgin Radio. Hanouna.